a rejoint. Nous sommes dans le backstage. Elle a terminé son défilé. Bonjour Cindy. Bonjour. Alors Cindy, la participation au Salon du Chocolat et au défilé emblématique de ce salon. C'était une expérience unique, allier le chocolat et le défilé. C'est quelque chose que j'avais jamais fait et je suis prête à le refaire. C'est une expérience vraiment incroyable. C'est tellement gourmand, on a envie de se manger. C'est assez étrange. Alors c'est combien de temps de préparation? Parce que je sais que tu es là depuis cet après-midi. Oui, on est là depuis 5h, depuis 17h. Mais en amont, il y a des essayages avec le chocolatier, à la chocolaterie et le styliste. Donc c'est du boulot. Alors, est-ce que tu participes quand les essayages se font? Est-ce que tu participes en disant bah, « moi ça me plaît pas trop, là ça va pas » Non, c'est vraiment la création du styliste et du chocolatier avant tout. Nous on est là que pour mettre en beauté la création. Donc, j'interviens pas du tout. Justement, je regarde leur travail, j'admire. C'est toujours un plaisir en tout cas de te retrouver sur des événements tels que ceux-là, parce que ton sourire, ton professionnalisme font plaisir à voir, quoi, parce que là vraiment c'est une robe qui est vraiment, voilà, qui en jette comme on dit. Il y a au moins 8 kilos sur les épaules, c'est ça? Oui, juste sur les épaules. Mais bon, quand on aime, on compte pas. Exactement. En tout cas, merci de nous avoir reçus si gentiment. On va te laisser te dévêtir de cette belle parure. Et puis, on te dit à très, très bientôt. À bientôt. Merci, Cindy.